Maintenant, nous voulons parler de qui côté la foi ancrée. Qui côté la foi ancrée. Pour bien comprendre ça, l'action, là, il est important pour nous définir qui ça ancre. Une ancre, c'est une pièce qui fait en acier, que vous mettez dans une chaîne ou bien dans une corde, vous allez connaître. Que dans le bateau, bien entendu, que le bateau lagué dans la mer, le bateau a poussé le rivier dans le port, et bien lagué en plan dans la mer, et quand ça a accroché en bas de la mer, la planté en bas de la mer, qui fait que le bateau ça a été fixe, il était stable. Même le lendemain, mais ta compte est en vivo, et le bateau a l'enfant bien voué à la terre, a poussé en plan. Et bateau a été fermé et fixe. Même si il y a un gros vent qui a vanté, eh bien, ça va pas faire bateau déplacer parce qu'il est ancré. Il est ancré en bas de la mer à cause de ça que vous avez dans l'eau. Qui côté la foi ou ancré? Si nous avons comparé la vie, nous, avec un bateau, avec un canot, eh bien, il y a des vents qui menace pour un bateau, la vue pour l'aller à la côté de la dérive. Surtout dans un moment difficile, ça veut dire que nous là. Si on n'a pas la foi qui est solide, on ne va pas gagner. Qui côté la foi en crée? C'est bien malheureux qu'il y ait le monde, la foi n'est pas ancrée d'un côté solide. Et ils ont ébranlé facilement. Ils ont découragé facilement. Tout dernièrement, il y a une dame, nous a rencontré, même avec quelques frères, et puis il faut leur demander est-ce qu'il a accepté Jésus déjà. Ça qui t'a fait me saisir, il est étonné. Moi, j'ai dit passé 14 ans dans l'évangile. Et pas grand pour faire le tourner encore. Je me dis, non, parce que je ne vais pas dire ça. Donc, où est-ce qu'on est déçu? Ça t'a pas tant de bon Dieu en bas, je ne sais pas. Ça t'a pensé de bon Dieu en bas, je ne sais pas. Mon idée de penser bon Dieu, il y a peut-être pas ouais. Mais comment on a fait passer 14 ans dans l'évangile, et puis pour pas une foi qui est solide, pour pas une foi qui est tellement ancrée, pour pas avoir un lien qui vous faut sortir. Mais nous parlons de qui ça passe. Nous disons, la foi, nous, et bien, qui côté la foi non? Regardons verset dans Hébreu chapitre 6, verset 16 et verset 19. Normalement, on a commencé dans verset 16, ça vous capable d'enchaîner dans l'idée. Mais c'est verset 19 là, qui vient ça nous déjà. Les montés dans verset 16, qu'ils ont les hommes et à juré, de juré par un bagaille, un monde qui peut grand passer. Et c'est vraiment, ils mettaient fin à toute contestation. Mais lui disait, vous êtes à mon Dieu, les lèvres les montrer plus clairement. Encore, à montrer que ces promesses en caractère irrévocable décision, le déplément de l'être en décision de l'être, eh bien, bon Dieu, t'es fait en serment. Il dit qu'on ça par deux actes irrévocables, pour dire qu'il est impossible que mon Dieu va y être, nous encourager puissamment, nous-mêmes, que seul refuge, c'est une saisie, espérance qui t'est proposée pour nous-mêmes. Verset 19, on est bien. Espérance, ça, nous posséder d'un point ancre solide et sûr. De l'âme. Donc, l'espérance, ça, nous procédons dans mon corps, c'est comme ça que ça va parler dans l'âme. Viens, ça, que l'âme est dans l'envers. Nous disons, espérance, ça, nous devons passer par la foi, ça, confiance, ça, nous procédons dans mon corps qui solide et puis qui sûr que l'âme n'a rien. Et puis, on va comprendre, les espérances qui sont sûres dans mon corps, eh bien, pas grand rien qu'à pouvoir bouger. Pas quand même qu'à vous aller. Le problème là vient parfois quitter mon Dieu. Mais nous disons, le problème qui vient, c'est que il y a la foi en plus chrétienne qui repose bien que seulement dans les biens, sous seul témoignage ancien croyant. C'est mon qui croit dans mon Dieu, non mon Dieu qui va me faire pour bagarre dans longtemps. C'est ça seulement, c'est sous ça seulement la foi basée. Donc, pas grand mal dans ça, non? Pour un bon Dieu qui t'a fait gros merveilles pour Israël, un bon Dieu qui t'a fait gros merveilles pour enseigner le patriarche, Noé, Abraham, Jacob. Oui, c'est bien. Tout le monde peut se commencer là.
Parce que Romains 10, verset 14, dit si non bagaille, qui montrait que, oui, première phase, phase initiale de la foi, pour commencer là, il dit qui j'en pour y aurait les mondes qui n'ont pas cru, et qui j'en pour y aurait dans ce là si on pas entendu parler de lui. Et qui j'en pour y aurait parler de lui si la gueule n'a pas annoncé. Donc ça veut dire comment on peut dire d'abord, il faut entendre parler de mon Dieu. Faut entendre parler de mon Dieu. Faut que vous approchiez. C'est la première phase là. Mais le seul phase là seulement été, la foi n'a pas ancré vraiment. Si vous prenez un bon Dieu qui te fait pour la gagne seulement, ou même on va vivre expérience personnelle avec mon Dieu, la foi ça va bien ancré. Et bien l'impression c'est, et bien l'impression que vous croyez que c'est ça qui vous dans ça. Il lui fait 14 ans dans l'évangile, mais nous ne pour faire convertir encore. Donc ça veut dire que si on quitte pour un bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob, mais il va jamais faire une expérience personnelle avec mon Dieu. On a la Bible, une invitation qui lancée, une invitation, c'est pour nous venir goûter mon Dieu. 1 Pierre 2, verset 2, 3. Regardez ça ici. Même Jacques-Simon qui fait faire, c'est pour nous courir, c'est pour nous désirer les pures paroles-là. Comme ça, grâce à lui-même, nous avons grandi pour le salut. Si du moins, nous t'écoutons que le Seigneur est bon. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est bon ou bien si c'est le monde qui dit le Seigneur est bon? C'est deux barres différentes. Tout autant que vous croyez bon Dieu, ou vous connaissez bon Dieu par expérience personnelle, ou par la foi qui solide. Nous ne pas goûter pour nous. Je veux comprendre qu'il y a deux niveaux où on est mon. Où on est mon dans un niveau qui est plus ou moins superficiel, quand on entend parler de nous. Où on entend parler de nous, il y a des gens qui vont l'habiter, il y a des petits dîners. Même moi, acteur, on fait des films de cinéma, où on connaît mon certain niveau. Soit aller sur Internet là, ou aller sur Google, ou qu'on download une biographie n'importe quel grand acteur pour aimer. Denzel Washington, Marlène, n'importe acteur, n'importe vedette football pour aimer ou aller sur maintenant, la bonne biographie, je dis la bonne histoire la vie, la bonne qui l'a fait, qui côté le fait, dans qui famille le fait, qui côté le commencer. Donc vous avez une connaissance de mon ça. Ou quand tu connais Messi, ou connais Ronaldo, ça son niveau superficiel. Vous pouvez dire ça parce que vous avez une relation avec Ronaldo, vous avez une relation avec Messi, vous avez une relation avec Denzel Washington. Moun qui connaît mon salut, tout le monde c'est moun qui s'ennuie, moun qui côtoie, moun sa kadou qui sa yon remè, moun sa kadou qui sa yon parèmè, moun sa kadou qui rêve, c'est moun sa tout le monde, mais c'est même gens. Il y a des moun qui connaît mon Dieu parce que vous avez une information sur mon Dieu, comprenez bien. Vous avez une information sur mon Dieu, vous lisez dans la Bible qui sa mon Dieu, qui sa mon Dieu, qu'on fait, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est leur vie, vous connaissez mon Dieu personnellement, vous marchez avec mon Dieu, vous vivez avec mon Dieu. Et c'est le sacrifice où vous connaissez mon Dieu par expérience personnelle. La Bible invite nous. Il dit si du moins, c'est pour nous connaître mon Dieu, c'est pour nous goûter. Goûter mon Dieu. Donc, l'homme goûter mon Dieu, c'est pas nous qui dit mon Dieu. Donc, regardez ça dans le sens 34, verset 9, même pas là. Il dit c'est pour nous goûter et puis nous voir combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous êtes en goûter ou moins que mon Dieu est bon? Ou bien est-ce que c'est dit au Dieu mon Dieu est bon? C'est deux bagages différents. Il y a un cas recommandé au médecin parce que lui-même est un médecin, ça, lui a écrit le résultat de jeûne. Première fois, on va aller sur base de recommandation, mais deuxième, troisième fois, c'est pas sur base de recommandation, on va aller sur base d'expérience personnelle, résultat pour jeûne, impression que le médecin ça a fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous avons écouté que mon Dieu est bon? Dans Jean chapitre 1er, verset 43 et verset 46, nous avons une invitation pour vivre, vivre et agir. Jean chapitre 1er, verset 43 et verset 46, et bien c'est le chapitre de mon Dieu Jésus après pour faire premier disciple. Il dit dans demain, alors il y a des qui passent dans la veille, il dit dans demain, Jésus décide de aller en Galilée. Il rencontre Philippe, il dit suis-moi. Philippe, c'est le monde de Saïda dans la ville André, ville André avec Pierre. Regardez bien, verset 45. Philippe rencontre Nathanaël.
Il dit, nous jouons si là que Moïse écrit le lien dans la loi et que le prophète nous parle. Jésus, nom Nazareth, la petite Joseph là. Dans les 46, Nathanaël dit, est-ce qu'on va gagner avec moi? Est-ce qu'on bon bagage qui a sorti Nazareth? Philippe a discuté avec, Philippe a fait raisonnement avec, Philippe a fait logique avec. Philippe dit, vin ouais. Vin ouais. Bon et Robert, lui, monsieur, écrit un livre, monsieur, dans le livre, monsieur dit. Pas chercher à convaincre avec parole. Pas chercher à convaincre avec parole. Pas essayer de convaincre avec parole. Convaincre avec action. Lorsque je convaincre avec parole, sans pile pour vous. Vous confondez pile argument, présentant pile argument, malgré ça, vous n'avez pas de quoi. Maintenant, je fais action. Tout, vous convaincre de facile. Si ma vie est résine, l'égage de musique Beethoven qui est très difficile. Même si avec j'ai demandé, j'ai dit, Marie Jolie, il n'y a pas même gardé clavier, là, j'ai une belle musique Beethoven. Je ne vais pas discuter, je ne vais pas dire, oui, Marie Soleil, je ne suis pas capable. Une musique Beethoven, difficile de jouer. Allez, on peut jouer avec j'ai demandé. Marie Soleil, c'est quand même, n'importe bagarre. Ah, mon cher, on joue, on fait ça déjà. On joue musique, tout ça, c'est bobine. Pour mettre fin à toute discussion, Marie Soleil, tu fais un peu de temps, mon choix sur lui. Bon, prenez mon choix là. Bah, nous choix, les bandes jeunes, les jeux musicaux, discussion finie. Est-ce que vous comprenez? Discussion finie. Est-ce que vous avez un gars qui n'a pas joué? Non. Les convaincre qui ça pour le moins, à action. Je ne veux pas convaincre avec parole. Parce que je convaincre avec parole. Nous n'avons pas dit va arriver avec quoi? Si il y a action, vous pouvez vous convaincre de faire. Nathanaël, Philippe a rentré dans la discussion avec Nathanaël. Les gens étaient perdus, les divins. Les divins ont agi. Effectivement, les Nathanaël ont regardé sa passé. Jésus, verset 47, les rois Nathanaël a approché, lui dit de lui, mais un Israélite qui va être ruse, qui va être fraude, qui va être tout en manche dans lui. Nathanaël dit dans verset 48, qui est-ce qu'on aime? Qui est-ce qu'on aime pour dire que je vais être ruse, je vais être fraude dans moi? Jésus répond lui. Toujours verset 48. En vain Philippe et l'eau, l'autre en bas de Philippe, moi t'es ouais. Nathanaël répond, maître, vous êtes petit bon Dieu, vous êtes roi d'Israël. Nathanaël va dire quoi parole Philippe, mais le vigne à Dieu, il fait expérience personnelle. Et ça, il va dire quoi à cette confession, il dit, maître, vous êtes petit bon Dieu. Hein? Ou c'est roi d'Israël. Ok? Donc, mais ça n'a pas dit là, l'expérience personnelle. Et c'est là que nous devons arriver en tant que chrétiens pour nous avoir la foi qui sans mesure leur vive expérience avec mon Dieu. Dans Jean chapitre 4, nous jouons leur histoire qui montre l'importance que ça a. L'entendez pas, l'on sortit dans la foi pour nous tendez pas de mon Dieu avec la foi pour nous revenir pour expérience même avec mon Dieu. Jean 4, verset 28, il vient verset 30, c'est le passage de la vie, c'est femme samaritaine, non? Jésus a parlé avec elle. Dans verset 28, Jésus lui dit, femme, quittez couché. C'est que l'on chercher, Jésus a parlé avec elle, tellement saisi. C'est lui par Jésus a dit, quittez couché. La langue vilaine, la vie mouillon, vie ouais un homme qui dit tout ça, moi je fais. Est-ce que c'est pas ta Bible, Messie? Verset 30, je sorti dans la ville, je quitte la ville, je viens de Jésus. Ok, je viens de Jésus. En sortant dans le verset 39, mais ça passe. Verset 39, il dit en pile samaritain, en ville, ça a été point dans Jésus, premièrement, première phase là. Amen. À cause de paroles formes qui te rend témoignage, l'idée dit tout ça me fait. Je voulais comprendre deux niveaux là dans la foi. Premier bagage, c'est que je te crois, amen. En plus là, je crois, tout simplement parce que comme dans le Dio, monsieur dit tout ça me fait. Je dis, ah, si les gens ont tout ça fait, monsieur c'est petit, bon, je vois, mais ça c'est une première phrase. Verset 40, comme ça, les gens viennent joindre Jésus, parce que premièrement, ils ont une parole, ils ont une parole, mais ils viennent tout, ils viennent t'aider, ils viennent Jésus eux-mêmes. Samaritain, ils ont demandé Jésus pour régler avec eux. Ils étaient là deux jours, dans les versets 41.
Il y a un plus grand nom qui te prend à cause de parole de Jésus. Et on dit femme, mais vous avez dit bien. C'est pas seulement à cause de ça on dit que nous croyons. Parce que nous tendons nous-mêmes et nous connaissons que c'est Messie, mon garçon de monde. Est-ce que nous avons deux étapes là? Deux marches. Première marche là, nous te croyons à cause de parole, femme qui dit, l'idée de sa fait. Ça, c'est le premier niveau de foi. Niveau de la foi, ça n'a pas encore tout solide assez pour qu'il y ait des bateaux faibles, les mauvais vont l'avoir à affronter. Mais deuxième niveau, eh bien, nous croyons. Ce n'est pas qu'on sort des tirs, mais nous-mêmes, nous tendons même à nos oreilles. Nous croyons avec deux yeux. Et nous connaissons ces messieurs. Qui j'en fais connaître? Nous ne connaissons pas ces messieurs parce que vous dites ça, non? Mais nous-mêmes, nous vivons avec ces enfants. Et c'est ça que peut chrétien. C'est là que nous sommes rivés avec mon Dieu. Jean lui fait expérience à toi avec mon Dieu. Jean 42, verset 5. Et tout autant que vous faites expérience à une expérience personnelle avec mon Dieu, pour connaître qui est mon Dieu et pas expérience personnelle, la foi aura bien assez solide pour résister dans mon temps. Jean 42, verset 5. Jean dit comme ça, j'aurais même été content de parler de vous. Mais pour y a Dieu mouer, est-ce que vous m'avez content de parler de vous. Vous avez une information de vous. Mais pour y a cette information de vous, vous prenez un Dieu mouer, vous prenez Jésus. C'est là que nous sommes vivants dans le chrétien. Pour la foi, nous pas seulement basée sur l'histoire de la Bible. Il n'y a pas l'histoire de la Bible. Nous comptons, alléluia. Et puis c'est ça seulement qui est pour l'expérience de nous. Est-ce que l'heure dit au bon Dieu puissant, est-ce que c'est histoire dans la Bible non seulement pour nous montrer puissance en Dieu, mais est-ce que vous bagage que mon Dieu fait dans la vie ou expérience personnelle, côté que vous-même vous témoin, vous dites oui, mon Dieu puissant, oui. Mais ça vous fait dans moi, mais ça vous fait pour moi, mais ça vous fait avec moi. Mais côté mon Dieu sorti avec moi. La Bible parle de fidélité, mon Dieu, oui, ou d'après, puisqu'on croit la vie. Mais ça va suffire. Est-ce que vous-même, vous êtes fidélité, mon Dieu, dans la vie? Oui, c'est donc fait extérieur fidélité mon Dieu dans la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 67 et dans verset 69, on va faire un exemple de foi qui est ancré. Côté que, il est tellement ancré, bien ancré, il est solide, il n'est pas qu'à aller, pas qu'à déplacer, pas trop, pas qu'à déplacer. Dans Jean 6, verset 67 et dans verset 69, c'est côté. Plusieurs ont quitté Jésus parce que pour Jésus parlait l'air, parlait Dieu. Et puis Jésus dit Sidio, dans verset 67, Jésus dit Sidio, et nous-mêmes, nous ne parlons pas de tout. Hein? Simon Pierre répondit dans le Seigneur, qui côté nous aller? C'est vous-même qui avez parole de la vie éternelle. Maintenant, il dit verset 69. Et nous-mêmes, nous croyons et nous connaissons que c'est Messie. Pierre va connaître Jésus, c'est Messie parce que c'était lié au livre qui débarque de Jésus. Il vit avec Jésus. Il mange avec, il marche avec, il dort avec. Ça veut dire qu'ils ont une expérience personnelle, ils ont une relation avec Jésus-Christ. C'est ça qui fait que même là, tout le monde va aller, lui-même il ne va pas parler. Parce que nous qui parlons, nous avons la foi, il s'est donné une information sur Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Il veut prendre Jésus à lui. Mais Pierre, il voit Jésus. Les Jésus après miracle des fois, ils mettent les deux en entrée avec Pierre. Pierre, ouais, côté de ressusciter les gens qui sont malades. Pierre, les gens qui mourent, côté de guérir les malades. Pierre, on la foi à partir de l'expérience personnelle. Ouais, ça dit, nous croyons et nous connaissons ce Messie, petit, bon Dieu vivant. De Timothée 1er, verset 12, apôtre Paul dit comme ça, moi, je connais dans qui est-ce que je crois. Est-ce qu'on a qui est sous quoi vous dire? Mais on ne peut pas dire qui est sous quoi. Oui, parce que quoi non mon Dieu, ça a quitté, fait gros bagage pour Abraham. Il t'a fait gros bagage pour Isaac. Il t'a ressuscité Lazare. C'est très bien, c'est très sortir. Mais vous-même, qui ça le fait pour nous? Que avec témoignage, vous pouvez convaincre nous. N'a pas pensé que Maxime, mais pour être Saint-Homme, ont la foi qui est fondée. Seulement sous témoignage croyant autrefois. Jean m'a dit, pourquoi? Parce que bon Dieu, tu fais, on se dit, bah, mystère.
Il était fait pour merveille avec Élie, avec Élisée. Le la foi fondée sur ça seulement, on va avoir un symptôme. Qui symptôme? Qui s'appelle pour reconnaître ça? Les appareils de l'Aïsa, oui, merveille. Alléluia! Béni soit l'Éternel. Mais l'on a même situation, hein, pas de aucun la foi. Ou peut-être pour soumettre. Hein? Ou lit dans la Bible, Genèse chapitre 16, verset 1 à 2, ou lit côté que Sarah n'a pas fait petit. Amen. Ou lit Sarah n'a pas fait petit. Hein? Verset 1er. Genèse chapitre 18, verset 10-12, ou jeune enfant, côté que Sarah n'a pas fait petit. Et puis, tu es bon Dieu visite Sarah avec Abraham, plusieurs messieurs, alors c'est des anges, bon Dieu, etc. Et puis, dans le verset 10, il dit, Yuna dans l'eau, Yuna est à visiter Sarah avec Abraham. Il dit, ma retourner dans la même époque là, et Sarah a bien un petit garçon. Verset 11, Abraham et Sarah étaient grand monde, ils étaient avancés en âge. Je dis, bah, si mon 30 ans, et bien mon 40 ans, c'est mon qui loin 70-80. Sarah, oui, verset 12, là c'est version blague. Dans l'âge il est là, comme commence à rider, quoi commence à chouler, bah non, là je suis un petit. Qui ça dit dans verset 12 ans? Il dit, oui, les anges ont dit ça. Il dit, combien de gens sont grand monde, est-ce que ça a un désir? Seigneur, tu as parlé à Abraham, tu es grand monde. Ok? Abraham, papa, et Sarah, par qui Jean, les cafés petits. Genèse 21, verset 22, il dit l'Éternel, il est intervenu en faveur de Sarah, Jean lui dit, hein, et puis il a accompli sa promesse là. Sarah vient enceinte, il fait un petit à Abraham, dans la vieillesse. Ça a fait un grand monde, c'est pendant le grand monde qui fait un petit. L'autre des histoires, ça a tant que chrétien. Si vous êtes un petit seulement, vous êtes un bon Dieu sous base, témoignage, ancien croyant, ou vous êtes un bon Dieu là-bas, bon Dieu, Isaac, bon Jacob seulement. Alléluia, vous êtes content. Ça a fait une puissance pour Dieu. Bon Dieu, si vous faites un petit, les grands mondes. Vous faites ça. Mais vous êtes un bon petit. Ou même lors de la même situation avec Sarah, on est maintenant dans 40 ans, dans la même ménopause. Est-ce que vous croyez que mon Dieu est capable de dire ça? Un peu de fois, non. Vous croyez que mon Dieu est capable de faire ça pour Sarah. Mais ou même, non, il va faire le mot. Vous commencez à faire les gens qui sont en train de dire ou pas. Ouais, est-ce qu'on a besoin ou pas? Ou pas vivre une expérience avec mon Dieu? Histoire Sarah, c'est plus loin. Et dans la génération pour là, où ça va faire une expérience avec Sarah? Pour qu'on y a, leur parle de puissance mondiale, on n'a pas besoin d'évoquer l'expérience Sarah ou l'expérience personnelle. Ou dans la cinquantaine, ou dans la soixantaine, et puis bon Dieu, bon petit. Les gens ont parlé de puissance mondiale, vous pouvez parler de tout. Vous n'avez pas besoin de la Bible. Parce que nous sommes pages, tant que nous avons une page dans la Bible. Et bien, mais il y a des témoignages qui montrent que bon Dieu puissant. Dès que tel âge, je vais en faire petit. Dans l'âge que je connais, je ne peux pas faire petit encore. Bon Dieu, je vais faire petit. Dans la place, soit Sarah ou soit personnel. Hein? Ou bon témoignage personnel pour raconter. Genèse 25, nous allons le voir encore. On a dit qu'on a dit soit un coup qui va faire petit. Genèse 25, verset 20-21. Genèse 25, verset 20-21. Je dis, Isaac, tu as 40 ans, elle dépend. Rebecca pour madame, elle est mariée à Rebecca, s'il vous plaît. Ok? Verset 21. Isaac priait l'Éternel, il suppliait l'Éternel pour madame, parce qu'elle est stérile. Et on nous sait qu'il va faire petit. Et l'Éternel est sur scène. Je dis, l'Éternel répond pour elle. Madame de Rebecca vient enceinte. Ça va pas comment, hein? Sous pas combien de temps, combien de temps Rebecca vient enceinte. En avant verset 26, après combien de temps Rebecca vient enceinte. Combien de temps après combien de temps de mariage, Isaac, Rebecca vient enceinte. Verset 26.
Alors, il ne faut pas aller que le premier petit dans son type, parce que c'est deux petits d'affaires, Jacob avec Esaü. Jacob fait son type, Esaü, Jacob fait son type, disons. Non, Esaü fait son type, disons. Et puis, il y a ensuite, frère la sortie, et puis que Mary est métal. Il y aurait les Jacob, Isaac qui a 60 ans, les timons ont fait. Entre en soustraction. Les timons ont fait. Isaac a 60 ans, il était marié à quel âge? À 40 ans. Combien de temps il va faire ici? 20 ans. Où l'histoire ça? Waouh, mon Dieu, ça a une puissance douée. Après 20 ans. Nous nous faisons pitié. Mais on même l'homme marié, après deux ans, on va faire pitié. Pour qu'il y ait tant de courage. C'est pas vrai? Ou pas de la foi. Donc la foi, où est dans la foi, Jacob là? Mais on connaît la foi, il va pas gagner l'héritier, on va pas hériter la foi. On va pas hériter la foi, Jacob là. Et la foi, pas ou bien. Yeah? Vous dites l'histoire de l'éternel, mais on parle de Jacob. Qui vient faire petit après 20 ans de mariage. Mais combien de couples de nos jours, chrétiens, depuis maintenant, elle fait 2 ans, 3 ans, elle va faire petit, quand il y a un feu qui est à défigurer, il y a crié toute la journée, il n'y a pas croyé dans mon Dieu. Il y a un bon Dieu qui débat avec Sarah petit, il y a un bon Dieu qui débat avec Abraham, Rebecca petit, mais on pas croyé dans mon Dieu qui débat avec petit. Là, nous faisons compte à qui ça nous fait mon Dieu sembler, nous faisons mon Dieu sembler un vétéran. Pourquoi ça vous fait dire un ancien combattant? Dans l'armée américaine, il y a ça où l'on Purple Heart. Il y a des gens qui ont blessé une action, ils ont battu un Purple Heart. Nous sommes le petit médaille marron pour récompenser, pour honorer. Il y a un ancien vétéran, et bien pendant qu'il y a la Kaili, il y a tout. Médaille, des découvertes, mais son ancien combattant. Il y a quelqu'un maladie Parkinson, mais la tremble, mais mon fils qui bat, il va pas tomber. Mais il est bon, belle parce que je défends pile, belle bagaille longtemps. En plus, dans le temps, ça fait mon Dieu sembler. Mon Dieu, quand tu fais gros bagaille dans le temps, il faut dans la mer rouge d'Israël. Mais là, nous-mêmes, dans notre situation, nous coincez pas où nous passons, nous pas croire dans mon Dieu. Nous intimidés, nous fous. Mon gars fait n'importe quoi. C'est ça qui arrive qui fait chrétien en Kaïbo. On va en donner votre chrétien en Kaïbo. Mais même chrétien en Kaïbo, on va parler de belles histoires de la Bible. L'histoire autant pour l'histoire, Alice au pays des merveilles, tant pour l'histoire sans Dieu. Nous parlons de réalité, nous parlons de réalité, nous parlons de réalité de la foi. Vous parlez d'un bon Dieu qui compte ressusciter mon mourir. Vous parlez d'un bon Dieu qui compte guérir mon malade, mais plus petit par un malade grave. Mon Dieu dans la tête, oh, et elle, on va perdre un petit point, à cause de cette réaction, on va perdre et puis on faiblit dans le côté de la foi. Donc, pourquoi non, mon Dieu, Abraham? Pourquoi non, mon Dieu, t'es ressuscité petit Jairus? Non, mon père, t'es ressuscité petit Paul. La foi, ça va camper. C'est ça qui veut nous le dans le cas de quoi. Nous lisons, mon Dieu, délivrer Daniel, mon Dieu, délivrons ces deux mondes. Mais pour nous-mêmes, dans la situation, mon Dieu, délivrer nous, non, nous pas quoi, mon Dieu, qu'a délivré nous. Donc la foi, ça n'est pas ancré. Nous chantons notre Dieu règne encore. Qui veut dire bon Dieu sous trône toujours. Bon Dieu pas perdu pouvoir. Bon Dieu pas en soin. Je prends un singe de football qui t'a marqué 1000 goals et puis qu'il n'y a pas même qu'à chuter un ballon parce qu'il est une faiblesse. Non! En plus, frère, comme ça nous fait bon Dieu sembler. On bon Dieu qui compte faire gros bagages dans tant longtemps, mais tant lui passer. Non! Nous remets l'histoire de David à Goliath. Si David, avec un stifi si bal, il a dit Goliath à terre. Alléluia! Béni soit l'éternel. Mais là, nous-mêmes, nous avons un gros problème devant nous qui dépasse la capacité. Nous, c'est Goliath pas nous. Il y a des problèmes qui devant pas de capacité financière, ou pas de assez fort pour faire face à elle. Ou pas de connaissance intellectuelle pour faire face à elle. Ou pas de rien, regardez, on a un problème, on pas de dire. Mais c'est un petit Goliath qui devant David, un petit David, des gens qui devant Goliath, qui ont réagi ou paniqué, tête chaude, ou en sincère. Mais on songeait l'histoire de David à Goliath, bon Dieu débaille David, victoire sur Goliath. Mais on n'en parle pas, ou même, qui c'est David de la génération pour là, que bon Dieu d'abord victoire sur vos problèmes. Ou parlez de Élie, on parle de l'information de Dieu. Bon Dieu dépend sur Élie, les grands bouts dans le pays là. Bon Dieu, vous êtes corps pour bailler manger.
Nous-mêmes chanter, l'éternel va avoir un corps dans le désert. Pour nous faire une journée par un corps manger, peut-être plus chaud. Il va venir. Parce que nous ne croyons pas que Dieu nous a nourri, nous croyons que Dieu nous a aimé manger. Nous croyons que Dieu nous a pris sur Israël à nous mettre dans le désert, qu'il a mangé, qu'il a mangé viande. Mais nous sommes dans le désert Haïti pour nous faire du travail, pour avoir aucune source de revenus. Je trouve, qui j'en joue, Mounia? Qui j'en joue? Est-ce que vous croyez que mon Dieu a pris soin? Nous chantons, mon Dieu, Jésus va prendre soin. Nous chantons même pas quoi là? Dans tout chemin jusqu'à la fin. Pourquoi ça fait ça quand même pas quoi? N'a plein même gens qui va chrétien. N'a plein même gens qui va chrétien. Nous ne disons pas que rien n'est possible pour mon Dieu. Pourquoi on a des chrétiens qui disent que je n'ai pas de caille ça? Parce que même j'ai avec Pierre, on a fixé les yeux sur mon Dieu, on a fixé les yeux sur vague la mer, on a fixé les yeux sur vent, qui s'agrand, ciment qui cher. Qui s'agrand la mer, terre qui cher. Le fait que terre est cher, le continuer ça a dépassé mon Dieu. Bon Dieu, les gars, comme tel longtemps, les terres pas chères, mais pour y'a gens qui apprennent en Amérique, même pas même des corps. Même les pays haïtiens, je ne vais jamais me guetter. Donc ça veut dire que je vais regarder l'homme, je vais regarder le vent, je vais regarder Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ qui est tout puissant, qui a fait toute bagarre. Il y a ça. Vous avez des chrétiens qui disent ça. Au moins, je ne vais jamais me guetter. Si c'est pris ça, ça si m'a monté, combien de ventes? 180 dollars. Même si vous ça, si bon Dieu vous voulez me ça si m'a dévendu, 1000 dollars américains pour me si bon Dieu veut que mon mot saute, eh bien, tu as une quantité propre en Amérique, ou à bien, parce que c'est ça nous dit, nous dit, bon Dieu, c'est le Dieu de l'un de l'impossible. Ok? Bon chanté, vous comptez de l'entendre, qui dit, pas rien qui est impossible pour mon Dieu, il n'est pas possible pour l'impossible. Est-ce que vous avez dit? Un yé pas impossible pour mon Dieu, li pas, li, qui a dit, it's not possible to be impossible. Li pas possible pour l'impossible. Baka, baka impossible pour mon Dieu. Mais nous disons, mais nous m'appelons. Le nom, l'histoire, nous allons finir dans le temps, femme qui est fait le sang. Il passe son fils de ma mère. 12 ans, quand je suis tout à l'heure, il était un enfant, il était malade, là, on il passait 12 ans, il n'y a pas de guérison, ma mère. La Bible dit, non seulement il y a une guérison, quand tout docteur allait, quand il est grave. Et puis, il y a un jour d'amour dit, si seulement je touchais, que roi de Jésus m'a guéri. Et puis, je viens de guérison. Nous aimons l'histoire de ma mère, mais l'homme malade, ou fait 3 ans malade, ou pas le médecin. Yo vous faire un examen. Yo vous faire scanner. Yo vous faire toute qualité de bagaille. Yo vous médicament. Ou yo vini, yo vini mal. Est-ce que son Jésus ça pour faire expérience pour mon Dieu? Ma prenne. Et moi garantie, pendant qu'on a une situation, pas prenne mon Dieu, souviens l'église au malice, ça va bien aller. Alléluia! Alléluia! Amen. Mais une fois dit elle, mais c'est la même situation. C'est la même situation avec femme qui est répète le sang. Il fait 12 ans à souffrir. Et bien moi-même, dans la même situation, et bien même Jésus a été guéri comme ça, m'a fait la foi, m'a fait expérience avec mon Dieu. Bon Dieu, moi, il lit dans la parole. T'es une femme qui est répète le sang. Moi-même, c'est mon père le sang bien. Mais mes quantités sont bien à souffrir. Je dépense quand tout docteur, tout docteur dit mal à la caillou. Tout ça, on dit que je fais, tout médicament, marché. Même dans les femmes, non, au lieu de vivre bien, vivre mal. Et bien, vous êtes touché ou pas la foi. Et l'on guérit, vous ne pouvez pas parler de femmes faites le sang parce que vous-même, vous êtes un témoignage qui vibre. Vous êtes un témoignage actuel. Frère Maxwell, nous avons dit que le gagné, seul fondement de la foi, c'est le récit témoignage. Nous l'entendons. Pour faire mon Dieu, encore une fois, avec un vétéran, un ancien combattant. Un bon Dieu te font tant la prière, un bon Dieu te font tant la fait belle bagaille, même avec Haïti, on a dit nous ça.
Tout le monde a dit que bien de Haïti, c'est dans le temps passé. Longtemps Haïti était belle. Longtemps Haïti était en sécurité. Longtemps Haïti nous respectait. Longtemps Haïti était un bon système d'éducation. Tout le monde a dit que Haïti, c'est dans le temps passé. Mais bon Dieu, pas comme ça, frère Maxeul. On va parler de puissance, bon Dieu. Bon Dieu, toujours les mêmes puissances. Hein. Ou toujours les mêmes forces là. Et toujours les mêmes fidélités là. Bon Dieu, c'est un monde de la génération ça, qui pour camper, qui c'est pour des Abraham de la génération en 2020. Si ce n'est pas les Abraham des millénaires, mais ça trop loin. Nous besoin de bagages nouveaux. Nous besoin de témoignages nouveaux pour nous convaincre. Contradicteurs. Un monde qui va prendre un bon Dieu, pas mal prendre un bon Dieu parce qu'on parle de Abraham. Non. Parlez de vous-même. Il y a des gens qui croient dans bon Dieu. Ce n'est pas biblique. Nous disons des mondes, des musulmans qui ne sont pas libres. Mais Jésus, il y aurait Jésus dans la vision. Ça plus que ça, il y a dans la Bible. Frère Maxime, il est arrivé pour nous. Pour nous avoir la foi. Pour nous avoir la foi qui ferme. Hein? Qui savent que nous qui mettons dans Jésus en confiance qui sans le jeu. Ça dit, il n'y aura pas jamais tombé. Si on a la foi, on ne sera pas jamais tombé. Il y a la foi qui est entrée. Qui entrait, côté du cas du même genre avec Nègre dans Jean chapitre 9, verset 24, les Nègres qui ont guéri, les Nègres qui ont posé une question, qui j'en ai guéri, qui est lié, Nègres qui ont répondu, Nègres qui ont raconté Jésus bien, Nègres qui ont dit comme ça, et bien mon Jean m'a dit mon Dieu merci parce que vous prenez Nègres à son péché, Nègres qui ont répondu ce qui est intéressant. Si son péché, je ne parle pas comme ça, je ne parle pas de ça, un seul bagage que je connais, il est avec moi, et c'est fait moi. C'est ça qui est important pour moi. Mais je dis, frère Maxeul, mon cas, c'est ça qui est venu de mon Dieu. Je dis ça qui est venu de mon Dieu. Mais on même l'a dit, moi, il y a eu quoi. Je dis, bon, pas qu'on est soit de mon Dieu, mais mon bon Dieu parle. Lui-là, pour nous suspendre, parler de mon Dieu, après, parler de mon bon Dieu parle. Après, on dit, mon Dieu, pourquoi avoir il va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il dit, mon Dieu. Thomas, c'est un homme qui a dit la foi qui est solide. Malgré des besoins avec Jésus, Thomas n'a pas convaincu avec la parole. A fois, il dit ressuscité. Non. Mon besoin de preuve. Mon besoin de preuve. Et les jeunes peuvent aller dire mon Seigneur et mon Dieu. Mais c'est ça le besoin. Dit. Mais pour dire bon Dieu par an, c'est l'homme à partir de l'expérience parole. Lorsqu'on dit bon Dieu par an, pas qu'à comparer. Ce n'est pas à partir de ça que la Bible dit, non, mais c'est à partir d'expériences personnelles. Route que Dieu fait avant, expérience que Dieu fait avant, combat que mon Dieu mène avec, victoire que mon Dieu parle, triomphe qu'on est avec mon Dieu. Mais ça, mon Dieu parle, non, pas qu'à comparer. Et c'est là que nous voulons, frère Maxeul, que mon Dieu dit.